Bonjour Alexandre Najar, Bonjour. vous venez du Liban. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à Perpignan, à Oui. l'hôtel Mercure. Et donc, vous nous avez amené votre nouveau livre, Le Dictionnaire amoureux du Liban. C'est bien ça? Oui. Alors, c'est quoi ce livre? Alors, c'est un dictionnaire, c'est un abécédaire en fait. Oui, en fait, c'est dans la collection du Dictionnaire amoureux, qui est une collection aujourd'hui très connue. Et j'ai voulu consacrer à mon pays, le Liban, ce livre. Donc, c'est le Liban de A à Z, mais d'un point de vue subjectif. C'est pour ça que ça s'appelle Dictionnaire amoureux. Et donc, il comprend tout sur le Liban, aussi bien les personnages célèbres que les lieux, comme Byblos, Baalbek, ces lieux, Tyr, ces lieux connus de tout le monde. Ou alors aussi des thèmes divers ou des écrivains. Donc, c'est vraiment tout le Liban qui est condensé dans cet ouvrage-là. Mais il n'y a pas de politique dedans. J'ai évité les hommes politiques parce que je pense que la politique au Liban divise. Et je voulais un livre qui rassemble. Et donc il s'adresse aussi bien aux amis du Liban, aux Libanais évidemment qui sont en France, et puis aux Français qui sont intéressés par ce pays, qui souvent est assimilé à la guerre dans les médias. Je démontre dans ce livre que ce pays est extraordinaire. C'est un pays qui a connu 17 civilisations, qui a 18 communautés religieuses, qui a donné au monde l'alphabet, qui a des mythes très connus comme Europe, comme Adonis, et puis qui a des artistes vraiment exceptionnels. Donc je montre bien que ce Liban est autre chose que la guerre, Bien c'est un sûr. pays vraiment qui mérite d'être mieux connu. Donc on peut découvrir votre pays autrement que par la fenêtre de l'actualité, des Oui, bien sûr, médias. tout à fait, c'est D'accord. ça. Et ça coûte moins cher qu'un billet d'avion d'acheter votre livre Bien sûr. et Et c'est on aussi une bonne introduction pour visiter le Liban. Je ne voudrais pas, en Voilà. lisant ce livre, qu'on n'y aille Bien pas. Au sûr. contraire, Je plaisante, je c'est une plaisante. invitation Il faut aussi prendre l'avion, à aller, c'est voilà. bien sûr, bien entendu. Très bien. Alors, je crois que vous êtes déjà venu à Perpignan. Oui, c'est la cinquième fois. C'est une ville qui m'est très chère. Et donc cette fois, je viens avec une autre casquette aussi que pour parler de ce livre. C'est aussi à l'occasion du prix méditerranéen du livre d'art, à l'occasion qui a été créé à l'occasion des 30 ans du CML. Tout à fait. Et c'est la première fois qu'on décerne ce livre, qui donc s'adresse, enfin il a deux volets, il récompense aussi bien un livre d'art qu'un catalogue d'exposition. Donc il y a deux prix qui sont décernés. D'accord. Et Alors moi, j'espère que ce prix... je faisais plus allusion au fait que vous ayez été le lauréat du prix méditerranéen en 2009, en fait. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'était pour un livre sur les Phéniciens, qui s'appelait Voilà. Phénicia. Et donc j'avais eu l'honneur d'être primé par ce prix qui est très important pour moi. Souvent quand je fais mon CV, c'est un des prix que je mets en premier parce que je considère que c'est un prix sans doute qui est important et qui est lié justement à cette ville que j'apprécie beaucoup. D'accord. Donc à vos côtés, nous avons André Bonnet, qui est ici le fondateur du prix, de ce prix, il y a 30 ans, là, le prix méditerranéen. C'est ça, le prix, Le prix aidez-moi, méditerranéen, méditerranéen de voilà. littérature. Voilà, le prix méditerranéen, donc nous Le l'avons prix créé méditerranéen, en pardonnez-moi, excusez-moi. 1985. Il y a plusieurs étapes dans l'histoire de ce prix méditerranéen. Création du prix avec des membres fondateurs très prestigieux comme Fernand Braudel, Edgar Faure, Hervé Bazin, président de l'Académie Goncourt, Maurice Rein, Jean d'Ormesson. Et donc, création de ce prix en 1985. En 1992, le jury décide d'ouvrir le prix Méditerranée donc, à la traduction, donc à l'international. Donc, on crée le prix Méditerranée étranger. Pour les 30 ans, donc, on a décidé donc d'ouvrir ce prix Méditerranée au livre d'art. C'est une Voilà. réflexion qu'on a depuis plusieurs mois, même je dirais même depuis plusieurs années, avec Pascal Le Tourelle, qui est Voilà, ici donc présent. on va trouver aussi vice-président du jury, hein, Pascal Le Tourelle. Donc vous êtes vice-président du jury et aussi vous êtes présidente du groupe des éditeurs Arts et Beaux Livres du Syndicat national de l'édition. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc vous connaissez André, j'imagine déjà? Absolument, on s'est rencontrés il y a 3 ans, je crois. Alexandre aussi? Alexandre, c'est plus récent, mais je le connaissais Voilà. vraiment. Donc le jury, il est composé de combien de personnes en fait? Alors nous sommes pour l'instant 11 personnes. Il y a plusieurs membres du Centre Méditerranéen de Littérature. Il y a le professeur Samir El Marouf qui est ici présent d'ailleurs. D'accord. Vous montrer qui est là. Et ça se passe aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous attribuons donc, nous annonçons de manière officielle donc le nom des lauréats. D'accord. Et la remise des prix aura lieu donc le samedi 26 septembre à l'hôtel Palms à Perpignan avec l'ensemble des lauréats des prix méditerranéens de cette 30e cuvée.
Très bien, eh bien, nous publierons les résultats. Je vous remercie.